Allez, c'est une petite vidéo rapide, juste histoire d'eux. Encore une fois, je ne voulais pas en faire, mais j'en fais une. Fake news. Je vais parler des. Donc, il semblerait que l'histoire de la Suisse, c'est une fake news. C'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire, toujours, regardez ce que c'est que le Nessarage et ça, pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, il semblerait que. Alors, en Nouvelle-Zélande, tremblement de terre. Apparemment, c'est pas aussi grave que ce que voudraient le dire et vous laisse penser les. Et de toute façon, apparemment, c'est ces tremblements, l'origine, c'est du fait de la main de l'homme. Ok, aussi simple que ça. Après, toujours, donc le pape est en Irak. C'est un bon titre pour un. Enfin, peut-être le pape s'en va en Irak, ça serait un bon titre pour un film, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous regardez bien de près, la personne qui joue son rôle, c'est un petit peu différent de. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Alors il semblerait donc que les manifs du 6 mars ont eu lieu. Je dois dire que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur cette plateforme à ce sujet. D'habitude, j'ai des recommandations, mais là, j'ai rien eu du tout. C'était silence radio sur cette plateforme. Donc c'est assez intéressant. En sachant que les photos, excusez-moi, des vidéos sur lesquelles je suis, sur les comptes sur lesquels je suis abonné, elles me sont plus recommandées. Donc quelquefois, je découvre après, avec un petit peu de retard qu'en fait, il y a bien une vidéo que le créateur a mis en ligne, mais je peux pas la voir. Faut que je fasse des trucs pour pouvoir la découvrir. Faut dire un truc dans ce genre-là. Et j'avais une petite pensée par rapport au. Et les messages d'urgence, et je me disais, alors l'histoire c'est de dire qu'il y aura une nouvelle qu'on va apprendre en premier qui va nous prendre la tête, enfin qui va nous surprendre, excusez-moi, au-delà de nous prendre la tête, mais ça va nous prendre la tête de toute façon. Et moi j'étais en train de penser aux médias, parce que, et je vais vous dire pourquoi, c'est que comment vous pouvez expliquer aux gens que vous allez envoyer des messages d'urgence, possiblement avec la possibilité de le faire à travers le monde. Sauf que les gens se disent, mais pourquoi ils n'ont pas donné ça aux news, quoi, aux nouvelles, quoi. Donc, est-ce que l'histoire, ça serait de dire, de faire peut-être. Alors, encore une fois, je spécule, hein, de dire que on envoie un message d'urgence et en même temps, on fait comprendre aux gens qu'en fait, ils sont dans le coup. C'est pour ça qu'on est obligé de tout fermer. Les obliger à mettre la clé sous la porte et vous envoyer ce genre de message que vous ne pouvez pas vous empêcher de pas voir, puisqu'en gros, ça sera apparemment ils seront sur les portables, la télé partout, via satellite et compagnie. Donc voilà ce que je voulais faire en quelques minutes. Je suis presque arrivé. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.